Il était une fois, à Londres, le 2 octobre 1872, un gentleman anglais, Phileas Fogg, se rend au Reform Club et en feuilletant le journal, il apprend qu'il est possible d'accomplir le tour du monde en 80 jours. Un voyage extraordinaire rendu possible grâce à la révolution des transports et l'ouverture du canal de Suez. Je vous présente Ruchi. Ruchi, qui est l'arrière-l'arrière petite fille d'Alba, et tout comme notre cher Ruchi, était d'origine indienne. Permettez-moi d'attirer votre attention sur la présence de Monsieur Fogg en personne, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre ce soir grâce à sa dernière invention, la machine à voyager dans le temps. Allons donc. J'ai parié à l'époque de faire le tour du monde en 80 jours. Attends, ça non m'intéresse. 80 jours, dis-tu? Exact. Oh, mais c'était bien en 1872, n'est-ce pas? Oh, et si on l'imaginait en 2013? Tu veux faire le voyage autour du monde? Pas en 80 jours, mais en 80 minutes. Bien essayé, mais impossible. Ok, on parie. Alors là, je suis prêt à remettre en jeu la moitié de ma fortune. Ok. Et tout l'argent que j'ai dû gagner, si tu arrives. Ok, c'est décidé. Suis mon papier, c'est intéressant. Ok. Cuando se me da una muerte, se me da un revolver.
Permets-moi de donner un petit aperçu de mon voyage à travers tout le monde. Yeah.
одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Что ж ты девушкам спать не даешь? Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.
Tu sais lequel? Hein? C'est l'amitié, la solidarité et l'amour. Vas-y! Est-ce tout ce qui sont seuls, allez.